Fin du mystère autour de la transformation physique des Igor et Grishka Bogdanov, c'est rigoureusement interdit. Jordan Deluxe a reçu Jaco Vana dans chez Jordan le vendredi 24 mai 2024 sur C8. Le chirurgien esthétique a été interrogé sur Igor et Grishka Bogdanov. Il a levé le mystère entourant la transformation physique des jumeaux stars des années 80. Jordan Deluxe a clôturé sa semaine de chez Jordan le vendredi 24 mai 2024 sur C8. Contrairement à l'accoutumée, il n'a pas reçu un, mais trois invités. Parallèlement à Monsieur Astuce, suivi par près de 3 millions de personnes sur TikTok, et Babette de Rosière, venue pousser un coup de gueule contre les détracteurs des Ayaka Nakamura. Jaco Vana s'est rendu sur le plateau de l'émission matinale du canal 8 de la TNT. Le chirurgien esthétique a été interrogé sur la mystérieuse transformation physique de Grishka et Igor Bogdanov, mort à 6 jours d'intervalle du COVID-19 fin 2021 et début 2022. Le docteur Jaco Vana perce le mystère de la transformation physique des frères Bogdanov. J'ai eu le plaisir de les rencontrer à quelques reprises. Je les ai toujours trouvés amusants, pleins d'humour, intelligents, complémentaires, avec un sens de l'autodérision. Je ne suis pas leur chirurgien dans le sens où je ne les ai pas opérés. Ils n'ont pas eu de chirurgie esthétique. Ils ont surtout eu des injections, a-t-il expliqué. Scène est suivie une série de photos montrant la transformation des jumeaux stars des années 80. Ce sont des injections de produits qui étaient pratiquées il y a une vingtaine, trentaine d'années, à base de silicone. Évidemment rigoureusement interdit depuis de nombreuses années parce que ce produit, qui est durable et définitif, a l'inconvénient d'évoluer par poussées inflammatoires et les poussées inflammatoires sont déformantes. A commenté l'invité de chez Jordan, programme où un DJ a dégainé son sexe en pleine émission. C'est ce qui explique cette évolution excessive au niveau des pommettes et du menton, a-t-il ajouté tout en jugeant que le rapport qu'entretenaient les frères Bogdanov avec le corps était très intéressant. Dans le sens où quelque part bien sûr ils n'ont pas cherché cette déformation, mais une fois qu'ils avaient cette déformation, ils l'ont utilisée comme une image, a précisé le chirurgien esthétique avant de conclure. Une image évidemment pas positive, mais c'est le produit qui est de mauvaise qualité.